On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Aujourd'hui, une belle autorisation, plusieurs champs. Et je suis avec Jeff. On va toujours être avec le Deus 2, le FMF. N'hésitez pas pour aller voir un petit peu toutes les capacités de ce détecteur. La maison de la détection, le lien juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à prendre le code promo Terre Secrète en majuscule. Je l'affiche ici. Voilà, il n'y a plus qu'à faire. Ça vous fera gagner un peu de sous. On est parti, Jeff? On est parti. Allez, on est parti. Allez, c'est un son médium, vous avez entendu? Tu es étranger, nomade? Alors, c'est un objet, mais vous voyez, on a, hop là, je vais approcher vers le caméraman, c'est Jeff ce coup-ci. Il y a des inscriptions là-dessus, donc on va le nettoyer. On essaiera de donner une identité à cet objet, évidemment. On va continuer le long de ces ballots. Allez, je continue le long des ballots, vous voyez, on va le faire en direct celui-là. Tiens, viens là par là, Jeff. Allez, j'en profite, j'ai de la main d'œuvre aujourd'hui. On va regarder ce qu'il y a. C'est dans la motte. Oh, le son est un petit peu moins bon d'un coup là. Range-toi, nomade. Alors. D'accord. Allez, c'est par là. C'est dans ma main. C'est ici. C'est quoi ça? J'ai oublié ma brosse. C'est ballot. Bon, je sais pas exactement. On dirait un morceau de plomb. Voilà, allez, un coup dans l'eau. Bon, je nettoierai quand même parce que il y a une différence de couleur là. Allez, on verra ça en nettoyage. J'ai fait un peu le tour du champ, on est en train de le traverser. Et juste ici, vous entendez le son. Tiens, approche-toi si tu veux. Hop là, une deuxième monnaie. Je suis en train de faire le champ en diagonale. J'ai pas trop la frotter, je la laisserai sécher, si vous avez vu, c'est gras. Et j'aimerais bien essayer de la récupérer. Voilà. Et on va continuer à faire des travers, des diagonales. On va fouiner. Je me suis arrêté ici. Et approche, François, si tu veux. Et je fais ça, vous voyez. J'étais en train de parler avec Jeff. Hein. Jeff, on se posait la question de savoir ce que c'était. Et je dis, allez, on doit avoir un autre morceau, on a un autre son à côté. Bon, je regarderai ce que c'est, je ferai une photo de ce petit objet. Regardez juste à côté, dans le même trou, une 50 centimes de franc. Allez, j'ai Nomade qui est en train de partir avec la motte de terre. Alors, bon, je nettoierai, comme d'habitude. Range-toi, Nomade. Et on regardera la date. Avec la belle Marianne derrière. Bon, ça, qui n'a pas fait ça 50 centimes. Super. Voilà, continue. Il est 16h, regardez. On a le sable du Sahara, soi-disant, qui vient jusqu'ici, mais regardez le ciel. Il est tout orangé. Et il est que 16h. C'est pas dingue, ça. Souhaitons que ce ne soit que ça. Vous voyez, Jeff, il plaisante pas, il a le seau à déchets. Voilà. Voilà. Voyez, on en sort des choses. Vous avez vu, il a fait sa petite anse et tout. Petit bricoleur, toi, Jeff. C'est ça, c'est ça. Tout du recyclage, voilà, à pas cher. Voilà. On dépollue. Tout à l'heure, j'ai filmé une dame sur son cheval. Et puis, on a discuté détection. Elle m'a autorisé à venir chez elle, donc c'est cool.
Hein, voilà, impeccable. Ouais. Génial, elle est passée dans le chemin, elle dit, il faudra venir chez moi, elle m'a donné son adresse. Donc on se retrouvera chez cette dame justement. Je vais m'arrêter juste ici. Allez, un son à 81. J'ai Jeff qui est parti avec son fils. Mais je crois que son fils va revenir tout à l'heure pour jouer un petit peu avec Nomade. Je trouve un objet ici, regardez. Je vais venir vous le montrer. Et ça me plaît bien. Bon, c'est pas de l'or, évidemment. Hein. Par contre, c'est lourd. Je sais pas ce que c'est. Vous avez vu, c'est amovible ici. Cette partie là, et c'est un joli décor. Je sais pas ce que c'est quelque chose qui doit se visser, je pense. Hein. Bon, il y a de la terre dedans, j'essaierai de nettoyer. Il y a certainement un pas de vis, mais je vois pas trop. Peut-être un truc pour des rideaux. Bon, allez, je vous le montre. Je ferai une jolie photo et vous laisserez des commentaires en dessous la vidéo, comme d'habitude. Vous savez comment ça marche sur Terre Secrète. On aime bien identifier bah, tout ce qu'on trouve, hein, évidemment, puis à quoi ça a pu servir. Voilà, on ne fait pas que des monnaies, des beaux bijoux et des belles choses. On aime bien aussi savoir à quoi a pu servir. En tout cas, moi, c'est ma philosophie de la détection. Tout ce que je peux trouver, à quoi ça a pu servir, justement. Donc voilà, en tout cas, c'est joli, je trouve. Vous avez vu? Je trouve que c'est beau. Ça doit être un décor peut-être de rideau, tringle à rideau ou... Bon, laissez des commentaires, je mettrai une photo à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Et puis, on va continuer le long de cette bordure. Allez, un nouveau son. C'était pas très aigu, mais le son était assez stable. Un son à 83. D'ailleurs, tu veux creuser, toi? Ouais. Je vais venir vous montrer ça, c'est un bouton. Et c'est un bouton... que je vais essayer de nettoyer, évidemment, vous avez vu. Bon, là, on va essayer de l'identifier, ce bouton. On a du vent qui se lève, là, d'un coup. Bon, j'ai beau le frotter, ça a l'air assez lisse en dessous. Mais je vais pas trop insister. Allez, je vais le remettre dans ma sacoche. Je vais pas trop insister. Vous avez vu celle-ci? Ça y est, elle est partie. Hein. Tu me cherches une pièce en or? je vais pas insister pour trop frotter parce qu'il m'a l'air épais un petit peu ce bouton et je pense qu'il doit rester quelques motifs certainement dessus, j'espère en tout cas, et je ferai une jolie photo en fin de vidéo et puis vous laisserez des commentaires si on arrive à y voir quelque chose sur ce bouton. Toujours à l'affût. C'est reparti. Allez, toujours avec un son médium, vous entendez? Sauf qu'il est à 58. Fixe, range-toi, Nomade. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est creuser le trou que j'ai fait. Je vais venir montrer ça, c'est une petite croix. Je suis content de faire ce genre de découverte, vous savez bien. Hein, moi, c'est ce qui me plaît, ce genre de découverte. C'est une petite croix religieuse. C'est cool. Ça me fait vraiment plaisir. Et souvent... Ah, j'aime bien, elle est belle celle-ci, vous avez vu. J'en ai déjà fait des grosses, pas des petites comme ça, mais j'ai fait des grosses croix. Et c'est du bois d'érable au milieu, vous voyez, ici. Voilà, c'est très très doux au toucher, le bois d'érable. Hein. C'est incroyablement doux, même là je le sens, c'est vraiment très agréable comme sensation. Voilà, une jolie croix. Je vous ferai une très très belle photo sur cette petite croix juste en fin de vidéo, et je vais aller refermer ou reboucher mon trou parce qu'avec celle-ci double travail aujourd'hui. Dès que je creuse, elle creuse, et même quand je creuse pas, elle va faire des trous ailleurs. Des fois je la vois passer dans le champ et elle se balade avec une motte de terre, donc je cherche le truc qu'elle a fait parce que on sait jamais, parce qu'il y a des animaux qui viennent dans ce champ
des vaches ou peut-être des chevaux. Donc double travail. On arrive sur un nouveau son ici. Vous entendez, c'est toujours un son médium, c'est pas très très aigu. Et il est à 77 fixe, c'est pour ça que je le fais. Et je crois que j'ai bien fait de le faire. Et regardez ce qu'on voit là. Je suis content, c'est un petit médaillon. Vous avez vu ça? Ah, c'est cool, je suis content là de faire ce genre de trouvaille. Je pense qu'il y a du passage ici, il y a une école qui est pas très loin. Juste sur ma droite. Une école ou une halte-garderie, je sais pas exactement. Et j'essaye de regarder un petit peu. On dirait un soleil ou peut-être un signe astrologique. Vous avez vu ça? J'essaie de vous faire un gros plan. Peut-être un signe astrologique, je vois pas trop bien parce que j'ai pas mes lunettes évidemment. Je ferai un beau nettoyage. En tout cas, ça a l'air d'être peut-être de l'or. Allez, on va y croire. Ouais, peut-être de l'or, hein, parce que c'est pas abîmé. Ça a l'air assez assez lourd. C'est en 3D. Bon, allez, je ferai un beau nettoyage de cette belle découverte. Je suis content d'avoir fait cette trouvaille. De ce petit médaillon, peut-être avec un signe zodiacal, je suis pas sûr. C'est peut-être un petit peu plus spirituel que ça, peut-être. Je sais pas exactement. J'essaie de voir. Allez, peut-être un soleil ou. Bon, je ferai un nettoyage, ça sera plus simple. Et puis vous laisserez des commentaires sous la vidéo. Je suis en train de regarder en même temps. On dirait un visage en tout cas. Au départ, je croyais que c'était un signe zodiacal, mais bon, peut-être pas. Allez, je ferai un nettoyage, ce sera plus facile de voir ce qu'il en est de cette découverte. Et puis, on va continuer. Ce numéro de Terre Secrète touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment, puisque vous savez, cette personne que j'ai rencontrée tout à l'heure dans le chemin, cette cavalière avec son cheval, m'a proposé d'aller détecter chez elle. Donc forcément, il va y avoir de très très belles opportunités pour aller voir un petit peu ce qui s'y trouve avec ce détecteur, justement. Donc n'oubliez pas, comme je vous ai dit, hein, allez voir dans les liens en dessous de la vidéo pour découvrir un petit peu ce Deus 2. Voilà, superbe machine. Franchement, je commence un petit peu à bien l'apprivoiser et j'en suis très très content. Évidemment, forcément, quand on a un tel outil dans les mains, on peut être que satisfait. Je vous dis au prochain numéro, prenez soin de vous, portez-vous bien, vive la détection et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vois que beaucoup de personnes suivent la chaîne de Terre Secrète, mais ils ne sont pas abonnés. Sur notre analytique, on le voit, vous savez, on a un analytique un petit peu personnel sur chaque chaîne et on le voit, à peu près 40% des personnes qui suivent la chaîne de Terre Secrète ne sont pas abonnés à la chaîne et pourtant ils suivent les numéros. Alors abonnez-vous, ça ne coûte pas grand-chose, hein. Un petit clic sur abonnez-vous et puis un petit clic sur la cloche pour pouvoir voir les numéros qui vont arriver pour les notifications. Donc je vous dis au prochain numéro et prenez soin de vous comme j'ai dit, portez-vous bien, vive la détection et on se retrouve au prochain numéro pour de nouvelles découvertes. Salut, ciao.